Et on se réveille, on est revenu dans notre survie du week-end. Donc on est à la vallée charmante. Ah, ça va, j'ai pris mes cachets, tout va bien. Nous sommes à la vallée charmante. Tout va bien se passer. On va faire un feu avant de partir. On est donc au... ici. À la colline au signal. Oui, on est à la colline au signal. Ah mon dieu, cette souris. J'en ai commandé une autre, vous inquiétez pas. J'arrive même pas à zoomer, dézoomer, c'est une horreur. On vient du coup du barrage, tout ça, Carter, machin. On est passé par là, maintenant on est à la colline. Donc nous, on veut descendre, je crois que c'est par ici. Et après, on va aller à droite pour une deuxième maison. Enfin, d'abord, il y a une maison en plein nord. C'est pas vraiment le nord, mais bref, vous avez compris. Après, directement sur la droite, nous avons encore une autre grange. Là, c'est une maison, là, c'est une grange, je crois, ou l'inverse, on verra. Après, on a le village qui est un peu en retrait ici. Donc, ça va, on va passer un peu de temps. Et après... Eh ben, je sais plus. je crois que pour aller au mont, c'est par là, il faut prendre une corde. Mais je sais pas vraiment s'il faut bifurquer et tout ça. Enfin bref, on verra, on va se débrouiller. Voilà, c'est le plan. C'est le plan. C'est le plan qu'on a pour cet épisode. Je pense pas qu'on va tout faire en une fois, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc j'avais dit, donc ça on va le laisser là, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, honnêtement. On n'a pas vraiment besoin de prendre grand chose. Et comme j'ai dit, avec de la chance, il fait... Enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cuire des choses? Enfin, si on a de la nourriture... Oh, oh, soleil, soleil, soleil. Yes. Ça. Soleil? Yes, soleil. Très bien, ben voilà, c'est bon. On peut faire cuire. Donc ce qu'on va faire, on va faire du feu. On va faire cuire les quelques viandes que nous avons. Je crois qu'on a deux petits steaks à faire cuire. On va faire ça. Comme ça, ça nous fera des calories qu'on n'a pas besoin d'utiliser dans notre dans nos réserves. Et après, on va faire de l'eau. Qu'est-ce que... Non, c'est pas ça que je vais faire. Que... Non, non, ça. Très bien. J'ai pas envie d'utiliser le bois de récupération parce que ça peut être utilisé pour autre chose. Par contre, on a un temps un peu de merde. Enfin, non, c'est pas un temps de merde, c'est juste qu'il fait extrêmement froid. J'allais dire chaud. Non, il fait extrêmement froid et la viande elle est où? C'est bon, on a la chaleur, 22 minutes, 19 minutes, très bien. On va pouvoir en profiter pour faire ça. Oui, ça c'est bien. Très bien même. Après on a ça. J'ai pas regardé le temps qu'on avait de feu, je pense qu'on a, assez de temps. Très bien, très bien. On a encore une heure et quelques. Oui, j'ai mis un charbon, j'aurais peut-être pas dû, mais c'était pour la chaleur. Il fait froid. J'ai tout ça. Voilà, très bien. Ah non, 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 on va pas faire ça. On va en faire deux. Ouais, on va en faire deux. Parce que je crois qu'on en a assez. Attendez, attendez. Je calcule bien mon coup. On en a 6, là on en a 5. On a fait ça et je crois qu'on a encore des champignons. On va faire deux champignons. Ouais, on va faire deux champignons. Ça. Et ça, très très bien. Le corps s'est un peu calmé. Non, il fait quand même bien froid. On va prendre ça sur nous, parce que ça c'est notre réserve de nourriture. Donc on va descendre par là-bas, parce que... Bah on n'a pas de corde.
Je sais qu'il y a un cadavre là-bas, mais je crois pas qu'on puisse y aller. Faites voir. Notamment qu'on puisse y aller. À moins que je fasse un peu cliffhanger. Ouais, non. Non, ça me fout les... En plus, ça me fout les pétoches de les regarder. Mais ouais, nous, on doit aller... ben là, voilà. Ah, oh, c'est parfait, on voit bien. Donc, on va faire stop là, d'abord. Et après, stop là-bas. Ah, c'est beau, hein. C'est beau comme ça, hein, qu'on peut y voir quelque chose. Enfin, il n'y a pas une tempête toutes les 3 secondes. Sympa, hein. Très sympa, même. Alors... Prendre une torche, faut voir un peu le poids quand même. 39. Ouais. 39, 40. Donc ça, on voit. Ramasser, ramasser, ramasser. Normalement, on va être en surpoids. Très bien. Parti! Je crois pas qu'on puisse descendre par là. Oh non, c'est trop compliqué. On va descendre par là. Ben voilà, on est parti. On est parti dans notre aventure. On a plein de petits bâtiments à regarder et tout ça. Si honnêtement, on a un temps comme ça pendant quelques jours, on va passer un très très bon moment. Mais pour ceux qui connaissent cet endroit, ça va sûrement pas être le cas. Donc ouais. En tout cas, il fait pas très froid pour le moment, ça va. On va en profiter. Plus là-bas peut-être, je crois. Je crois qu'il y a deux. Ouais, il y a deux cordes. C'est pas ce que je pensais. Je crois pas qu'on ait besoin de la prendre, la deuxième corde. Je crois qu'on peut juste bifurquer, mais c'est vrai que ça va plus vite en fait. Après, il y a peut-être des objets à prendre. Chaque fois, on voit les corbeaux très haut en fait, mais c'est parce qu'il y a un cadavre en bas. Voilà. On a les crampons, ça va vite. On se fatigue un peu, mais bon. Ça va. Ouais, du coup, on était vraiment proche du sol. Alors, on a plein de champignons et de verres. On a une grotte. On a bel et bien une grotte. Avec rien à l'intérieur, ça marche. Alors, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de garder le feu, je vais être honnête. Je l'avais fait juste pour nous tenir au chaud. Mais on n'a pas besoin. Je crois même pas qu'on ait vraiment besoin de reboire la deuxième tisane. Car honnêtement, il fait pas froid du tout. Donc j'ai envie de dire, on va laisser... Ouais, allez, on va laisser brûler. C'est pas grave. Parce que je voudrais prendre un peu de nourriture. Hein. Après, oui, on pourrait refaire un feu et tout ça. Parce qu'il va nous falloir des vivres. Enfin, des calories, quoi. On n'en a pas beaucoup sur nous, mais ça va être très bien. Ici. C'est gelé, donc ça va plus vite avec la scie. Attention, parce que maintenant on pue la barbaque. Je crois qu'il y a aussi un... Je me rappelle à une époque. je crois qu'il y a aussi un bâtiment dans la forêt là, dans la glace en fait. Je crois qu'on peut pêcher même.
je crois. Mais le problème, c'est que là, quand j'avais essayé de le trouver, j'avais un peu galéré. Mais bon, c'est parce qu'il y avait plein de tempêtes et tout. Là, il fait très beau, on a des lapins aussi. Je crois que c'est après la chute d'eau, là. On doit peut-être l'être là. Ça peut être intéressant, mais bon. Ça. On va voir, on a un peu plus froid là-bas. On a le pont qui est là. Attends, si on a le pont qui est là, c'est-à-dire qu'on est quand même encore un peu loin. Donc on accélère un peu. Il va falloir qu'on accélère un peu. Et bien sûr, il va falloir faire quand même une pause à un moment pour faire de la nourriture. Je crois que c'est par là. Parce que... On commence à faire froid. Donc, prendre un steak risque de poser problème. On va poser ça. Me dis pas qu'elle dépose. C'est de la viande plus qu'elle dépose en premier. Histoire de pas être lourd. On se déplace beaucoup plus vite hein, quand on n'est pas lourd. C'est quand même un problème. Ça c'est bien. Ouais, il y a tout, let's go. Honnêtement, je dirais pas non. 7 minutes. On risque d'avoir froid le temps qu'on rentre, c'est pas grave. Ça, honnêtement, ça vaut le coup. Ah, merci, les corbeaux sont partis. Pam, pam. Ok, maintenant il faut partir. Très bien. Aussi, une chose, c'est qu'on peut tout simplement utiliser les loups hein, pour manger. Évidemment. Par contre, c'est à droite ou à gauche du pont? Le pont, il est juste là. C'est... Je sais pas. Je crois que c'est avant le pont quand on descend depuis les cordes. Nous, on a un peu bifurqué, en fait, sur le côté. Donc, du coup, on a passé le pont. Ouais, nous, il y a la... Elle est là, la tour. Ouais, non, je crois que c'est avant. Il y a des trucs à récupérer. Ça. Au pire, si je trouve pas la toute petite grange là du au début, on venira directement au centre. Dans tous les cas, on n'est pas loin d'habitation, donc ça va. Le pont du chagrin. Je crois que ça s'appelle la vallée du chagrin plutôt. Hein. Voilà, allez, ça y est, ça commence. Ah bah elle est là, c'est bon, on va trouver. Ça y est, ça commence. Voilà, bienvenue à la vallée charmante, c'est trop bien. Voilà, super endroit. Magnifique. Magnifique. Je crois qu'il y avait... Non, bon. Tout va bien, tout va bien. Fausse alerte. Passe, passe, merci. Faire attention parce que maintenant il y a... Oui, on en voit un là-bas. Je crois que c'est un... Ouais, c'est lui. Oh. On a des lapins juste à côté. C'est une bonne chose. On a un arbre aussi. On va rentrer parce que sinon il fait un peu trop froid, mais on a les lapins qu'on peut chasser. Ange de la vallée charmante.
J'aime bien cet endroit parce qu'en fait c'est très clair, mais je reste jamais très longtemps. Et honnêtement, il n'y a rien à faire ici. Bien. Quoi ça? Island Garden for Island People. Gros local. Ah, mais. Une fois que t'as goûté à Amazon. Désolé, hein, mais c'est mieux quand même. Alors, je crois qu'il y a un lit. Lit, ouais. On peut dormir dans la paille. C'est assez marrant, ça. Ouais, deux. Là aussi ou pas? Non, il y a deux endroits où on peut dormir. Non, trois endroits où on peut dormir. C'est marrant. Sympa. Ça, du charbon, très bien. On est un peu lourd. Ouais, surtout pour ça. Je sais pas pourquoi on est lourd. Ah oui, c'est parce qu'on a récupéré pas mal de... de ça, oui, c'est ça. On était un peu sur la... à la limite. Alors on peut aller en haut et chercher des choses, mais je crois qu'il y a strictement... J'ai jamais rien trouvé, moi, personnellement. J'ai strictement jamais rien trouvé ici. La seule chose qu'on peut trouver, c'est la mort en tombant. Voilà, donc... vous pouvez essayer. Ça, par contre, c'est très facile à trouver. La mort en tombant, c'est très très simple. Mais j'ai jamais rien trouvé d'intéressant. En tout cas, pas en... Ah, il y a un cadavre maintenant. Ah, ok. Bah, ça, c'est nouveau. Ça y était pas. Bah, pareil pour le sac, j'ai envie de dire, honnêtement. Ah. Ok. Bah, c'est devenu intéressant. On peut pas faire descendre, non. Voilà, c'est ça. Ils auraient pu faire en sorte qu'on puisse faire tomber l'échelle et après remonter. Mais apparemment non. Maintenant je suis curieux. Est-ce que si on coupe la planche, est-ce que ça veut dire qu'on peut plus reprendre la planche et du coup on est bloqué en haut? Ou alors il faut se jeter? Je sais pas. Ça aussi c'est jamais très précis en fait sur ce qu'on casse. Genre s'il y a plusieurs planches à côté, est-ce qu'on va casser toutes les planches ou on va casser une seule planche sur les deux ou trois qui sont à côté? Vous voyez, ça aussi c'est des petits détails. Ce serait bien de pouvoir voir ça. Et ouais, non, ça aurait été vraiment cool de pouvoir faire descendre l'échelle. Bon, ben on a trouvé des choses. Bon, maintenant ça vaut le coup. J'avoue que ça c'est nouveau. Je suis certain que le cadavre il a jamais été là. Ou alors peut-être qu'il a une chance d'être là. Et vu que je suis en intrus, la plupart du temps il n'y est pas. Une roue. Ah, c'est des roues en bois? On dirait des roues en métal. Alors ça c'est en métal, d'accord, mais ça aussi j'ai envie de... Ouais non, peut-être pas, c'est une roue de... carrosse là. Ouais non, allez. Allez, bénéfice du doute. Non mais y a rien d'autre sinon, y a rien d'intéressant. Bon, on s'est réchauffé. On s'est réchauffé. On a récupéré ça, c'est très bien. On est quoi en calories? Fais voir un peu. On a faim, on est à 800. Il faudrait potentiellement faire du feu, j'avoue. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de bois. À la limite, je dirais qu'on peut chasser. Je voudrais bien récupérer les lapins, puis après, on court au centre. Comme ça, on reste pas ici longtemps. Je voudrais que les lapins soient encore là. Je suis pas impressionné. Par contre, on va se faire aggro par les loups. On va se faire complètement aggro par les loups. Parce que, avec tout ce qu'on va avoir sur nous, ils vont un peu trop nous aimer. Il n'y a plus de lapins. C'est bête. Ok, je vais... On re-rentre, on fait quelques trucs, on passe le temps pour s'échauffer. Juste le temps de se réchauffer, puis après on se casse. Et on va au centre.
Mon endurance est bonne. On devrait pouvoir courir même si les loups nous poursuivent. On devrait être bon. 40-81. Ouais. Le vent s'est calmé. On n'a pas besoin de boire. Ok, let's go. Ah, peut-être que les lapins sont revenus si le vent s'est calmé. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Oh, il fait pas froid. Ça y est, très bien. Alors, attendez, on va faire ça. Comme ça, on la marque sur la carte. Nickel, grange. Man, this pack is getting kind of heavy. Ok, cool. Go, 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 go. Alors là, on va se faire aggro direct. Sauf si je bifurque un peu sur la droite. Voilà. Comme j'ai dit. Par contre, on a un cerf. Il va peut-être pouvoir nous sauver. J'ai rien dit. C'est encore loin. Ça va. Elle est où la porte? Je crois qu'il y a un autre loup qui nous a fait là. Ah, là-bas! Derrière. Ferme de la vallée charmante. Go. Je vais être léger en fait si on le combat. Ok, nickel. On va un peu vider notre sac. Non, on va faire ça d'abord. On va sortir, mettre toutes les viandes par terre et on va tuer le loup. Alors, hop, 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 hop. Ok, on est bon. Où est-ce qu'il est? Oh, il est là. Ok. Est-ce qu'on essaye de lui tirer dessus en sneaky ou pas? Ah oui, mais je peux toujours pas tirer en sneaky. Viens ici, du coup. Ah non, il a eu peur, ce coup. On cherche le gibier, peut-être, à la place. Ah, j'avais un peu oublié le fait que... Il ait peur comme ça. Parce qu'il fait pas froid, autant en profiter, essayer de pouvoir prendre genre toute la viande. Oh. Cours après un lapin. Attends, viens, 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 viens. Autant en profiter, comme ça il bougera pas. Ça nous fait un lapin en plus. Vas-y, bouge pas. T'es en montée, j'aime pas trop ça, mais... D'accord, ok, tout va bien. Ok, tout va bien. Voilà. Ah bah putain. Ah, j'avais dit que j'étais un peu rouillé, hein. Ils sont allés où les flèches? Vous voyez les flèches? Là. Eh ben. Je suis pas très fan d'abîmer plusieurs flèches comme ça, mais de toute façon, au bout d'un moment, ils vont casser. Alors, pas très bien, il fait pas froid. Alors, si on peut tout prendre d'un coup, ça serait magnifique. J'aurais dû sortir l'arc hein, parce qu'on a des loups à côté. Ouais. Il nous a vu, il nous a flairé. Ça va, il a eu peur. C'est ça qui est bien en fait avec la cuisine 5 parce que en théorie, le mieux c'est d'aller prendre le gibier.
Là, c'est des 1 kg pour... Ah oui, il y a déjà les corbeaux. C'est 1 kg pour... pour 960... Attends, t'es en train d'attaquer un truc ou tu veux pas? Enfin bref. Mais bon, cuisine 5. Donc pas très grave pour nous, on peut faire cuire du loup. On peut faire complètement cuire du loup. Donc ça c'est vraiment pas le problème. Donc on en profite. Parfait. On va prendre ça. Et... il y a un truc qui arrive, je crois. On rentre. Alors. On va en profiter. On va manger tout ça. Voilà. Parce qu'on est dans des terres où on peut chasser, en fait. Donc autant commencer à manger. Et... maintenant, on va faire la recherche du bâtiment. On va d'abord tout prendre et après on fera un tri. Qu'est-ce qu'on a ? On va essayer de rien louper. Les placards, tout ça, sont souvent vides hein, pour nous. Peut-être qu'on va trouver des clés ou un LEDX ou un... je sais pas. Du scotch. Vraiment. Désolé, c'est... mauvais jeu. Je fais des blagues que personne comprend, que moi qui comprends, ça me fait rire. Et oui, Tarkov, encore une fois. Ouais, j'arrête. Et ben... bon, par contre, on a des rideaux, ça c'est bien. Il va falloir qu'on récupère quelques rideaux. Ça, c'est la cave, on y va après. Ouais, il faut qu'on récupère quelques tissus. Waouh, strictement rien, c'est ouf. Bon, après, on a déjà trouvé du café et tout ça. Ah, un fait tout, ça c'est bien. Un ouvre-boîte, on s'en fout. Ça. Ok, oui, ça c'est juste une... Un backer qui a écrit un truc, c'est une recette pour du pain, ça fait plusieurs fois qu'on la voit ça. Enfin dans toutes les saisons je crois qu'on la trouve, on la récupère. Cool, deux fétous. Ah. Le problème que les fétous c'est 1 kg l'un. Après, on peut le laisser là, hein, parce que c'est vrai que c'est un meilleur... Après, est-ce que c'est un meilleur endroit que la grange? Je dirais que oui, hein, parce que là, il y a plusieurs feux. Ouais, non, ça, j'avoue que c'est quand même un bien meilleur endroit. J'avoue que c'est un bien meilleur endroit si on veut faire du feu, en fait. Oh! Du sirop. En plus, ce qui est bien... alors, on a un avantage aussi. On va aller à l'étage. Ah non, on n'a pas fait ça. On a un avantage, c'est que... comme j'ai dit, nous, on est maintenant cuisine niveau 5. Donc, on peut manger tout ce qui est mal en point, ou voire même périmé, hein, 0%. Et vu que, bon, bah, on a passé beaucoup, beaucoup de temps déjà. Mais... on n'a pas visité beaucoup d'endroits, de zones comme ici. Et bah du coup, on va trouver beaucoup de choses périmées. Comme là par exemple, je crois qu'on avait on a le sirop qui est périmé et tout ça. On va regarder après. Mais, comme j'ai dit, on est niveau 5. Donc on peut quand même manger les choses. Donc ça c'est bien. C'est bien. Toute la nourriture qu'on va trouver, on va sûrement en trouver quand même un petit tas. Et bah ça nous fait des... ça nous fait des calories gratuites. Pas besoin de cuire de la viande ou quoi que ce soit. Par contre, il y a une chose que je voudrais faire, c'est ressortir pour faire du feu assez vite. Parce que je crois bien qu'il y avait encore du... de la lumière. Donc je voudrais pouvoir faire la lumière... utiliser la loupe. Ce serait vraiment utile.
Ouais. On va peut-être faire. Attendez, on va prendre ça. On va peut-être y aller maintenant en fait. On finit les salles et on sort après. Tu veux voir un peu? Ouais, il va commencer à faire nuit bientôt. D'accord. Ah mais... Ok. C'est pas un petit bug qui était déjà depuis un petit moment là? C'est genre ça, des fois ça se fait instantanément. Parce que là c'est ce qui vient de se passer. Là. Vous voyez, la dernière fois j'avais parlé du fait qu'on pouvait avoir un certain niveau sur fouiller les choses. Bah vous voyez, ce que vous pouvez faire, c'est que... Alors, plus vous fouillez vite et tout ça. Et après, quand vous êtes niveau maître, genre, je sais pas, 5% de chance de trouver de la nourriture en plus. Ou des trucs comme ça, vous voyez, quand vous cherchez. Il y a plein de trucs à faire, ça serait vraiment cool. Je pense qu'on est bon. Oh, tellement lourd. Alors, est-ce qu'il fait encore assez jour? Yes! Par contre, comment... Ah mais oui, non, mais faire cuire à la maison, je suis bête. Oui. Oh mon dieu, je vais avoir des problèmes moi, à faire tourner les choses. Faut que je remappe les boutons. Attendez, on... 3 et 2. 3 et 2. Okay, ça... on va faire sur un truc plat. On va faire un feu là. On va prendre une torche, on va allumer le feu à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup plus d'endroits en fait pour faire cuire les choses. Rappelez-vous de faire ça, évidemment. Profitez de la lumière avec la loupe. Puis après, vous avez un feu gratuit. La loupe va être utile au début, hein, parce qu'après, honnêtement, c'est que du mauvais temps sur mauvais temps. Après, honnêtement, oui, c'est que mauvais temps, mauvais temps, mauvais temps. Elle est où la cuisine? Elle est là. Parce que là, on a une super cuisine, donc autant en profiter. On va pouvoir mettre tous les steaks d'un coup, et on va pouvoir faire masse d'eau, en fait, après, c'est ce qui reste. Bon, après, on n'a pas trop de bois. C'est un fait, mais on peut casser les choses aux alentours. Là. Je suis sûr qu'on peut trouver du bois à l'extérieur aussi. Voilà, nickel. Perfect. Deux heures, très bien, on va mettre ça là pour le moment. Faut qu'on fasse le tri de tout ce qu'on a parce que là je suis un peu trop lourd, ça. On se traîne, c'est pas bien. Ouais, bon là on doit être à moins 55 kilos je crois. On peut voir. 54. Bon hein. On est bon hein, on est bon maintenant. Ça. On a aussi beaucoup d'eau. Hein. Voilà. Très bien. On fait voir un peu toute la nourriture qu'on a. La nourriture ici pour le moment. Le lapin là. On est toujours à 44 kg, c'est pour ça.
Ah oui, je commence à être fatigué. Ce qui est normal. On va ressortir, on va essayer de trouver du bois. Parce que avant de casser les choses à l'intérieur, je voudrais trouver du bois déjà à l'extérieur. Ce serait vraiment bien. On pourrait aussi dessiner le temps qu'il fasse beau. Comme ça, on le marque sur la carte. Allez, ça y est, ça commence. Ça commence. Alors la grange, on peut aller voir la grange déjà. On va ouvrir ça, comme ça on sera en sécurité. Si jamais on doit se mettre à l'abri. Alors je vais être honnête, je voudrais bien chasser le gibier aussi. Et il y a de la voiture aussi à récupérer, enfin les fouiller. Mais je voudrais bien chasser le cerf en fait qui se balade, j'avoue, ça nous aiderait beaucoup. Mais bon, ça risque d'être plus tard pour ça. Voilà, donc vous vous rappelez quand j'ai dit oui, alors si ça se passe bien dans la vallée charmante, on peut faire quelques endroits et tout, machin, patin, patin. Vous oubliez tout ça, on va pas rester longtemps. Parce que je déteste cette zone. Et cette zone me le rend bien. Et un délou là. On n'a pas vraiment besoin de les combattre plus que ça, honnêtement. On n'a pas besoin de les provoquer, en fait, parce qu'on va avoir assez de nourriture. Par contre, oui, je voudrais vérifier ça avant que le soleil se couche. On voit assez. Ah, je vais peut-être allumer la lampe. On va allumer la lampe, juste au cas où, pour être certain de rien louper. Un truc qu'on n'a pas, une chose qu'on n'a pas, que je... Ouh, nickel, ça c'est bien ça. Ça c'est vraiment top. Une chose qu'on n'a pas, et que je voudrais à tout prix... Ah oui, il y a même un... Enfin, un établi ici, ça. C'est que c'est cool en fait. Ça serait... Genre une pierre qui fait du feu là. Fire steel. Fire steel serait vraiment bien. Vraiment très intéressant de voir ça. Là on a du bois. C'est quoi ça? Là on a du bois à droite. Je wonder if I can drop any of this gear. 39. Les chaises, c'est combien? Oh, les chaises, c'est encore plus long, ça n'a aucun sens. J'aimerais tellement qu'ils retravaillent leur système de temps là. Oh là, là. C'est quand même du n'importe quoi, faut l'avouer. C'est quand même du grand n'importe quoi. Ah non, je crois que t'es en train de me détecter un... Je sais pas pourquoi il y a le point qui apparaît. Je sais pas. Ah oui, attendez, faut regarder... Ah bah voilà, déjà ça. Et juste là, au cas où, s'il n'y a pas des choses. Mais ouais, on a failli louper ça. Ok, maintenant on rentre directement dans la maison. Mais vraiment bien, c'est vrai qu'elle est vraiment cool cette maison. J'avoue que elle est très bien. Surtout si vous avez la cuisine au niveau 5. Non, l'air de l'eau. Donc on y
ici. Minutes, très bien. On va déposer toute la nourriture qu'on a. Alors. Alors, ça, voilà, les gibiers à 1000, on va les garder de côté. C'est ce qu'on va prendre pour partir, pour voyager. Ça, c'est 1 kg, 1000 calories, c'est très bien. Ça, on peut manger. Et oui, parce que à notre niveau, hein, on a besoin de manger. Hein. On est une grande dame. On a besoin de manger. Neige fondue. Il faut qu'on s'occupe du lapin. On s'occupe du lapin. Nickel. Étable. Je crois que j'ai merdé un truc. Viande de cuite. Oui, j'ai merdé un truc. Ah, ça y est, ça commence à faire nuit. J'ai brûlé quelque chose. J'ai brûlé de la viande, c'est pas grave. Ça arrive. Ça. Très bien. J'ai un peu bugué, je me demandais pourquoi on était dehors. Oui, enfin, il n'y a pas grand chose en fait. Faire dehors. Donc, ça. Pam. Et la. Pam. 4 minutes. Ça marche. Alors maintenant on voit strictement rien, donc c'est embêtant parce que je voulais regarder la nourriture qu'on avait. Bon, le métal, on s'en fout. Oui, très bien. On a plus tard 22 minutes. Oh. Alors. Ok, maintenant on va faire un peu un tri. Alors je sais qu'on a beaucoup de nourriture. En théorie, elle devrait pas être très très lourde. Après, j'ai vu qu'on avait des vêtements. Donc on a des chaussettes. Tiens, on a des chaussettes de bonne qualité. Celle-là à la place. Les autres, elles sont un peu abîmées. Alors là, on a une écharpe. Honnêtement, ça ferait beaucoup plus stylé qu'on ait une écharpe. Mais l'écharpe, elle est pourrie. Ça. Après, on a une chemise à carreaux, elle sert à rien. Ok. Les vêtements, j'ai envie de dire, on peut les déposer plat. Je vois rien, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. Ouais, on fait un tas de vêtements, basta. Pourquoi se prendre la tête? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? On a récupéré des médicaments. Ça, les médicaments, on n'en a pas besoin. C'est bien de les avoir de côté par contre. Une planque, mais on n'en a pas besoin. On a une tempête, évidemment. Alors là, on en a une de plus qu'on boira. Pour le bois, on a l'accélérant, c'est pas trop utile. La meilleure gâchette de l'Ouest. La cuisine, cuisine nature, on s'en fout. Oh là là. Très bien. Alors après ça m'intéresse. Mais pas maintenant. Comme j'ai dit, on n'a pas de... On va
pas vu ce mec là. C'est combien de temps pour de l'eau? C'est 2 heures, je crois. Je m'en rappelle plus. Ouais, on va pas avoir assez de temps. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, on est lourd parce que... Oui, parce que... J'essaye de réfléchir en même temps de tout ce qu'on va jeter et garder. J'ai envie d'un peu d'avancer encore. J'ai pas envie de... qu'on s'arrête maintenant. Parce que je pense qu'on peut encore avancer. On pourrait s'arrêter dans la prochaine grange. La prochaine étape. Voilà. Avec ce truc qui tape, ça, j'aime pas ce truc. Alors le café, le thé, on va le prendre avec nous. Les vêtements, bon bah c'est bien, on a des nouvelles chaussettes. Ça on touche pas, ça on touche pas. On a deux nécessaires de couture en plus. On a beaucoup de torches sur nous. Est-ce que les nécessaires de couture, on les prend vraiment sur nous ou pas? J'ai envie de dire, à la limite, on peut les laisser. Parce qu'on va sûrement en trouver d'autres, mais bon, après, c'est pas très lourd. Je sais pas si ça vaut le coup, en fait, de les prendre sur nous. Parce qu'après, il faudra quand même repartir avec. Hein. C'est ça, les... Ça, je sais pas, ça. Ah, j'hésite. Ah, non, ça, j'hésite, par contre. Après, c'est 0,10. C'est pas... Comme je dis, normalement, c'est pas très lourd. Il en faudrait une dizaine de chaque pour faire 1 kg à chaque fois. Ça va, quoi. Là, on est à 38-34, mais on n'a pas de viande sur nous. Donc ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Waouh. Tu veux voir un peu? Ouais, non, ça, c'est une chose, je sais pas encore. Enfin, peut-être qu'on va s'arrêter là, je sais pas. Ça fera un épisode un peu plus court. Elle vient d'où la lumière? Ah, projecteur là, ok. Je pense qu'ils ont augmenté le pourcentage d'aurore boréale. Ce qui est bien parce qu'on va en avoir besoin avec la radio. Mais ça c'est cool. Ah bah tiens, on peut peut-être en profiter, aller voir la voiture. On devrait juste ne pas me faire choper par un loup. Parce qu'un loup boosté à l'aurore boréale, c'est pas le fun. Ouais, on va peut-être s'arrêter là, je pense, pour notre épisode. Ça fait un épisode de 40 et quelques minutes. Clé. Oh. Alors, la voie qui mène au vieux barrage a l'air d'être à nouveau ouverte. Je ferais mieux d'y aller jeter un œil. D'aller y jeter un œil plutôt. La voie qui mène au vieux barrage. Ah oui, bah c'est où c'est ce. Ok, ok. Donc c'est pour vous montrer en fait. Ok, ça marche. Pour vous montrer qu'il y a un passage. Par contre, la voiture ne s'allume pas. C'est intéressant. Donc c'est d'où on vient. Hein. Du coup, c'est pas vraiment très intéressant. Elle est marrante cette lampe. Mais ouais, on va s'arrêter là, je pense. C'est notre petit épisode. Ce qu'on va faire d'autre. Donc la prochaine fois, on ira voyager. Donc oui, on va te recevoir un peu la voiture.
parce que j'en ai beaucoup. On va en profiter, on va faire un peu de... Ça. Eau potable. Eau potable, ça on prend avec nous. Neige, neige. Ça marche. Allez, hop, on mange. Alors, un litre. Faut que je fasse tout maintenant parce que sinon on va être un peu bloqué. Enfin, j'ai pas envie de le faire la prochaine fois donc on en profite. Très bien, on en garde 5 sur nous. On est un peu lourd. Comme j'ai dit, je sais pas si les nécessaires de couture et tout ça, on les prend sur nous ou pas. Je pense que ça. Je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. On met tout devant la cuisinière parce que c'est un peu l'endroit clé de la maison, j'ai envie de dire. Ouais. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va manger, on va dormir. Et ça sera notre petit épisode. Et la prochaine fois, je décide si on part ou pas et où on va exactement. Mais je suis en train de me demander si on va pas laisser plus d'objets. Donc là on a quoi? Là on a sirop d'érable, c'est 850 calories pour 0,30. C'est très peu. Donc ça on peut le prendre sur nous. Là on a pêche au sirop, 450 pour 50 grammes. C'est un peu lourd. Ça c'est vachement bien. Il faut se rappeler que nous on a 1000 pour 1 kilo. Ça aussi c'est très bon, on peut le prendre avec nous. Ouais, il y a que à la limite la conserve qui est bof. Mais la conserve, on peut la manger, même la faire cuire. Pour la chauffer, comme ça on a un bœuf. Ouais. Je vais aller dormir et on verra ce qu'on fait exactement la prochaine fois. Et ouais, mais en tout cas ça se passe bien. On avance assez vite. Peut-être qu'on avancera un peu plus vite. Alors je sais pas, où on continue... le truc c'est que où on continue d'explorer un peu la vallée... Ou pas. Et du coup, bah, on saute un peu des endroits et on va tout simplement directement au mont. Hein. On peut faire ça aussi. C'est vrai que ça, c'est aussi une solution. On verra. Je vais réfléchir et on va voir ce qu'on fait. Okay, c'est bon. On va dormir une dizaine d'heures. Même si c'est même un peu trop, parce qu'il va déjà faire soleil quand on va se lever. Je pense. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.